Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends où on joue Olaf Jungle. On est avec un Cho'Gath, un Twisted Fate, une Kai'Sa, une Leona contre Rumble, Kayn, Tristana, Lucian et Teemo. Et on a un niveau de jeu Platine 3. Bon, je suis un peu deck parce que j'ai eu deux Champs Select avant où j'avais des matchups qui étaient complètement free où je me serais régalé. Ça a dodge deux fois et là je suis contre un truc. Kayn, je peux pas le toucher. Tristana et Lucian, grosse mobilité. Bon, ça va être très chiant pour moi de jouer contre ça. Ça m'embête un peu. Et en plus, on a un TF qui est platine 1. Donc ça fait un peu stressé quand même. C'est un peu plus haut que le level de ma team. Bon, on va espérer que ça se passe bien. C'est la première fois que je joue Olaf, je crois que c'est la première. Hein. Ou peut-être j'avais fait une test en flex. Sur le nouveau patch, là j'ai essayé de théorycraft un stuff en éviscérateur. On verra ce que ça vaut. Je suis assez curieux pour être honnête. Je vais aller voir démon raid. Hop. Vais start au bleu. Ok, donc ils mettent des étoiles sur les items conseillés, c'est ça? Je pense qu'une BOTRK c'est quand même pas mal. À voir. Je fais un truc, bon bah. Stuff de l'AF quoi, un peu de tankiness, un peu de dégâts. La classique. Ouais, bon, Kayn c'est un matchup qui me plaît vraiment pas. Très chiant. Ah, j'avais un truc tellement free avant, ça dodge tout le temps les bonnes games, c'est ouf. J'ai très rarement des bons matchups. Mais moi je dodge jamais aussi. Bon, je pense que le clear ne va pas être trop impacté sur Olaf. Sur Udyr, c'était un peu chiant qu'ils aient tout changé, mais là, je pense que ça va pas trop changer mes habitudes. De toute façon, Olaf, bon, ça clear très facilement. Il y a l'AOE avec la hache. C'est tranquille. Très appréciable, par contre, d'avoir plus de mana qu'avant. On régène plus de mana qu'à l'époque. Alors, le Cho'Gath qui se fait un peu bolos, TF se fait push, la botlane se font dominer. Ok, tout le monde est un petit peu en mode à se faire bourrer sur les lanes. On va essayer de faire un bon clear bien soigné. Ok, c'est ok. J'ai encore mes deux potions, je suis full PV. Bon, c'est voilà, fin. C'est vraiment, il y a encore plus de sustain qu'avant, c'est encore plus simple la jungle. Mais par contre, c'est un peu moins rapide, ça c'est chiant. Smite à 430. Je le smite, on va voir si on peut passer au top. Pas de ward. Ah oh putain, quel dommage. Allez, ça touche. Je m'attends à ce qu'il Kayn avec. On y va. Alors j'ai réussi à rater la hache sur le carap, mais je les ai touchés sur le champion, donc on va dire que c'est ok. Par contre, toi t'as une lane en fait. Je peux le faire tout seul, mon grand, t'inquiète. Il y a le deuxième que je vais rush. Est-ce qu'on peut faire un truc? Bon, je suis pas du tout placé. Peut-être lui faire bouffer un peu de mana éventuellement. Ouais. Je pense que j'ai le deuxième. Kayn s'est fait bolos. Hein. Est-ce qu'on peut faire un truc bot? Ah, je suis vu. Ah oui, d'accord. Oh, il a flash juste avant que ma hache touche. J'ai un peu deck, j'aurais dû la mettre plus tôt. Ah, c'est assez frustrant ça, par contre. Je pense que si je touchais la hache, on avait le kill. C'est un peu dommage. Bon, Drake 30 secondes. 1200, il me faudrait 1550 pour back.
J'espère qu'ils s'en sortent. Ça va quand même pas dive. Oh putain, elle crève, je pense. J'ai hésité à y aller. Non, c'est bon, ça passe. Ouais, c'était très close. Hein. On va y aller comme ça. Je vais revenir bot side. Hein. J'aimerais bien aller top, c'est vrai, mais c'est vrai que Rumble, ça a pas une grosse mobilité. C'est la lane la plus facile à gank, mais. Je vais lui dire. Je veux vraiment sécuriser le Drake et ensuite je viendrai au top. De toute façon, sur les lanes, c'est le seul que je peux choper assez facilement le Rumble. Tous les autres, ils cavalent comme pas possible. Ce serait bien que j'ai de l'info sur le Kayn. J'ai envie de tenter le Drake en vrai. J'ai un très bon start, je pense que je peux presque me permettre de le solo. On va test, c'est peut-être du full grid mais... Pour peu que le Kayn soit pas en position, ça me fait juste un Drake free en fait. Smite à 480, faut vraiment pas que je le rate, mais je pense que c'est bon, ça passe. Oh, ça régale, et oui. Le timing, mon bro. Le timing. Bon, là, on va absolument rien choper. Je vais juste clear ma jungle et je vais go top. Ah bah, GG. Bon, je fais un très très bon start de game. Hein. J'ai les deux carabs, j'ai pris un kill, j'ai claqué beaucoup en face, j'ai pris le Drake. Très très propre de ma part ce début de game. Bon, j'aurais pu mettre une H de plus là, ça aurait fait gagner un peu de temps. Ok, je vais rush le Kirap top. TF, il a l'air de se faire... Non, il gère au farm, en fait. J'allais dire qu'il se faisait bouffer, mais non. Il prend juste son temps pour outscale, il a bien raison. Alors, est-ce qu'il outscale une Tristana? Je sais pas, mais en tout cas, il joue slow et safe. Et il prend de l'avantage au farm. Faut qu'il fasse gaffe au Kayn, quand même. Je suis prêt à smite si le Kayn se pointe. J'ai pas vu quelqu'un qui a utilisé une plante de vision là. Juste au-dessus, genre. D'accord, qui va venir warder là. Shogat qui a très envie de le fight. Là, j'avoue que le timing est bien, mais ça freeze de ouf, on l'aura jamais. C'est de la merde. Ah, coup, ça dit, ça va pas, je vais juste aller check le bleu. Il n'y a pas de bleu, il y a un gromp. Ouais, je serais juste resté Milan au top, on n'aurait absolument rien pris. Hein. Il y a mon raid qui va proc, je pense que le Kayn il est à son raid à peu près. Ok. GG les bros. Là il y a peut-être moyen par contre de dive. Est-ce qu'on dive ou pas? Allez go pêche hein. Genre il crève pas. Allez go ruiner la tour. Ensuite j'irai faire le Herald. Je vais lui laisser le farm évidemment. Pas trop d'infos sur le Kayn. J'espère que je l'ai pas fait rush kit. Ce serait bien dommage. Mais on va juste prendre la tour là en fait MDR. Kai'Sa qui a l'air de prendre des kills. Récemment les Kai'Sa que j'ai croisés c'était... Ok, il y a le Kayn qui est là-haut. Il a pris son raid. Bon, je vais laisser la plate au Shogat, je vais aller prendre le bleu, parce que lui prend le mien, et je vais faire le Herald ensuite. Bon, c'est vrai que le mid se fait éclater, mais... De toute façon, une Tristana, je peux pas la choper, moi, donc bon, tant que je fasse ça. Hein. Et je smite pour être sûr. Ah, la mieux, le mid a pris très très cher, mais j'ai un free Herald normalement, je pense que c'est free. J'aurais peut-être pu décaler au mid, je sais pas, c'est peut-être un misplay, mais bon, j'étais bien sur ma lane avec le Rumble à se régaler sur les plates. Mais on se prenait la même au mid. Kai'Sa qui récupère des kills, c'est très bien.
Moi j'ai 2000 gold. Oh, on va le dive en fait. On va le dive tous les jours en fait. Ça a cancel vraiment là? Je sais pas, ça a cancel mon Herald. Je voulais mettre un Herald. Ça doit te warder. Est-ce que j'ai besoin de flash là? Ouais, c'était peut-être de l'overreact. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec le Herald. Bon, on prend la tour, c'est ok. J'ai mal géré l'interaction là. Je m'attendais pas à ce qu'il me mette autant de dégâts. En fait, oui, évidemment, comme il m'a mis des dégâts, ça m'a un peu dealé l'activation du Herald, mais. Je sais pas, ça m'a paru un peu contre-intuitif et ça m'a un peu perturbé. J'ai perdu mon flash bêtement. Je pense que c'était pas très bien joué de ma part. Drake, 10 secondes. Ok, j'ai encore mon raid. Super. Par contre, bah, j'ai passé beaucoup de temps en top lane. Après, c'était rentable. On a fait des trucs, hein, mais. Et là, ça a l'air de permafight au bot. Je sais pas trop ce qu'ils foutent. Alors, moi, j'aime bien faire booster le Z après le Q sur Olaf. C'est un choix qui peut éventuellement être un peu discuté. Ok, je vais aller def. Parce que là, on perd la tour sinon. Bah, juste que je prenne la wave. Quel effet de la triste 1-0? Est-ce que je suis en danger si je la face? Ce serait bien qu'on ait un peu d'infos sur le Drake. Ok, je l'ai repoussé. On va aller check ce qui se passe au niveau du Drake. Je pense qu'on peut-être. Le TF peut-être venir avec moi en vrai. Ils ont l'air de les éclater au bot. Bon, j'ai 3000 gold, les amis, ça va pas du tout. Mais maintenant que je suis là, je pense que la bot lane peut venir avec moi. Il vaut mieux que je synchronise mon gameplay avec la team que je pense juste à mon fric. Je suis à 2-0, j'ai un bon farm. Le Kayn est dead. C'est du free Drake, hein. Smite à 570. J'arrive. Je suis un peu late, mais je vais me faire tuer, non? Je veux y aller? Ouais, non, go, je vais safe. Je vais juste prendre le carap et je vais reset. Ce serait peut-être temps. Avec mes 3000 gold, je vais acheter la moitié du shop, ça va régaler. Timing opti pour le carap, évidemment. Peut-être je vais intercepter une Tristana. Ou peut-être me prendre un Kayn, je pense pas en vrai. Ah! Pas réussi à engage, j'aurais dû mieux follow là. Oh, ils veulent fight à tout prix là, je suis pas convaincu. Hop, bon bah écoutez, toujours follow hein. J'espère que je vais réussir à back un jour quand même, parce que là ça commence à faire beaucoup de gold hein. Ça commence à faire beaucoup de gold. 3400 gold, non mais c'est fine. J'ai même pas le temps de boire mon petit thé. Refroidi à toute vitesse, hop. Plutôt prendre ça. On va y aller comme ça. Bon, bah c'est pas trop mal tout ça. On fait une game plutôt clean. Ah, j'aurais pu prendre une pink. Merde. Je vais aller récupérer mon bleu, ça fera pas de mal. Moi, je commence à être bien, bien vénère là. Il continue à fight au bot. Ça arrête vraiment jamais. Hein. Je peux venir s'il y a besoin d'aide. Je vais aller check un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un raid là? Peut-être un Kayn qui traîne. Oh putain, trop loin. Là ça va me collapse dessus, je vais me prendre le Teemo et le Lucian à tous les coups. Après il y a peut-être moyen de faire un truc, en vrai je suis strong hein.
Allez, venez. Hé. Merci pour le. Bon, il a flash pour le Teemo, j'aurais pu essayer de le go in, mais bah, si c'est le DF qui récup, c'est très bien. On a une Leona en plus qui fait des bonnes engages. Je vais aller chercher le Carap pour contrôler la map en termes de vision et compagnie. Je vais peut-être croiser le Kayn d'ailleurs. Je vais garder le Z pour s'il vient. Oh, quoique non. De toute façon, je le bolosse. Il doit être par là, je pense. Il peut y avoir une pink. Ah, je me suis peut-être montré un peu trop tôt. Ça leur a peut-être fait peur, mais je vais aller chercher le Rumble hein, qui est juste tout seul. En 0-4, il doit être un peu full tilt. Faudrait qu'on se split. Ah, il aurait pas dû prendre la plante, c'est vrai, c'est vrai. Bon, super. Herald. Drake 50 secondes. Moi je suis content, je trouve qu'il est encore plus agréable à jouer dans la méta actuelle que dans la précédente, le Olaf. J'avais un peu peur que ce soit chiant, mais en vrai, les viscérateurs ça a l'air assez insane dessus. Est-ce que je ferai pas un full clear de ma jungle? Non, je vais juste aller prendre le raid et on va go au raid. Enfin, go au Drake ensuite. Il me fait un peu peur avec son placement. Ah oui, par contre. Tellement moyen de le bouffer là. Oui. Oui. Vraiment, j'ai pas touché le hachoir là, vraiment. Ils sont beaucoup quand même. Il y a moyen de snipe le Drake, mais. Bon, on a fait bouffer le R du Kayn, hein, ça c'est pas mal du tout. On voit le pull en vrai. Plus de R, ça c'est très très bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'instant destroy s'il vient dans le fight. Alors moi par contre j'ai pas de smite. Est-ce que le Shogat il a son ulti? Oui. Vraiment là? Bon c'est pas grave, on a pris le Drake, c'est le plus important. Je savais que le fight était un peu compliqué à prendre, mais c'est rentable. C'est tout à fait rentable. Bon, c'est ma première mort, mais sur un objectif qu'on chope. Je me serais attendu à ce que. Oh, dommage, une auto. Je me serais. Vraiment? Putain, elle est vénère la Kai'Sa. Hein. Y a vraiment un mec qui. Y a vraiment des gens qui ont FF là. La Leona, vraiment? Je sais pas, je prends tous les Drake. On a 3 Drake, 2 Herald. On a absolu... Pour l'instant, on a pris les 5 objectifs sur les 5. On domine au KDA. Et ça veut FF. Ce jeu, c'est vraiment. Il y a des énergumènes qui sont absolument incroyables. C'est une dinguerie. Je vais. Rush le raid. Ah bah. Sa TP, d'accord. La Leona, elle est full tilt ou elle fait juste du 1v2 en fait? Oh, l'un n'empêche pas l'autre, apparemment. J'arrive. Le backup arrive, les amis. Oh putain. Pas moyen de le choper, hein. J'ai lâché le flash dans le vent, ça fait un peu chier. Par contre, ça fait très très mal ça. Sympa en tout cas la régène sur les viscérateurs, ça régale. Par contre, il faut me le laisser. Hein. J'ai un Herald à claquer encore. Ah, le respect est mort, hein, littéralement, je leur mets un Herald sous le nez, c'est juste parti. Ah, par contre, les champis du Teemo, ça va vite être relou. On va essayer de se prendre un peu d'armure, peut-être. De res magique, pardon. Ouais, ça touche un Herald. Hop là.
Ah, ils ont récupéré un kill. Ouais, ils jouent beaucoup en paquet. Très bien, peut-être qu'on arrête d'y aller en frontal comme ça. Oh, j'ai envie d'y aller. Ils sont deux. En vrai, le Rumble, je le détruis. Je vais aller plutôt prendre le bleu. Je suis à 130 farm, j'ai une bonne avance sur le Kayn. Oh là là, c'était tellement close. Ça aurait pu faire une dinguerie. Je vais garder mon Z et mon éviscérateur. Tout moment, ça peut y aller là. Ouais, on va aller prendre le carap. Très bizarre, hein, ça perd ma fight. Mais bon, moi je suis très bien dans ma game, c'est ok. Faudrait qu'on aille split un peu sur les side lanes. Bon, je vais clear. Ouais, au moment qu'il va le fight, en vrai. Bon, il y a une Leona full life, ok, on va suivre. J'ai mon ulti, je vais récupérer un smite. Je peux racheter un item si je back. Ouais, en vrai, on peut presque nash, mais c'est quand même compliqué. On peut se faire retourner, ils ont quand même beaucoup de dégâts. On a le TF qui est pas avec nous, mais il a son ulti. S'ils veulent nash, on peut en vrai, hein, mais... Ah, ils vont se faire engage, là. Hop là. Inhib into Nash. Sauf si on finit, est-ce qu'on peut finir? GG. GG, GG. On va mettre un GG au Shogat. On a fait des petits moves avec lui, c'était cool. C'était stylé. Ok. Bon bah écoutez, redécouverte de Olaf. C'était plutôt propre. Ah, je suis passé plat 2. Ah oui, apparemment ils ont enlevé les BO. Bah écoutez, j'étais plat 2, j'avais été démote parce que j'ai pas joué pendant trop longtemps, je pense. Et bah écoutez, on récupère le rank de plat 2, bah, ça fait plaisir. On va essayer d'aller choper le diamant assez vite. Bon bah c'était une petite game sympa, assez clean. Toute la team a bien follow, il n'y avait pas trop de... Bon, la Leonel devait peut-être un peu tilt, mais bon, elle a pas fait nimp, elle a fait des bonnes engages, et on avait ce qu'il fallait pour suivre derrière. Ouais, bah écoutez, ça s'est vraiment passé très tranquillement, j'espère que ça vous a plu, c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.